Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool Mikey. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite parce que apparemment Tilted Tower a changé. Donc je vais aller voir ça, je vais aller vérifier ça avec vous, donc c'est parti, let's go. Ok, donc effectivement, Neo Tilted ne s'appelle plus Neo Tilted mais il s'appelle Tilted Town. Et Minus m'avait envoyé cette image hein, qu'il avait vue chez Jack Bainoff et sur internet. Et effectivement, bah, c'est la même image de la map de nouveau Tilted. Alors on va aller vérifier ça. Je pense qu'il y a pas mal de surprises à aller regarder. Oh, ok. Déjà, il y a une sorte de sphère, une sorte de dôme autour de Tilted Town. Ok, donc il y a une sorte d'église, non, de clocher. Je crois que c'est un clocher, ça. Hein. Oh, bienvenue à Tilted Town. Ici, interdit de construire ou de détruire. Quoi? Je peux pas... Ah ouais, carrément, je peux pas détruire. Et je peux pas construire. C'est ouf, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on est au Far West, quoi. On est au Far West. Il y a des cowboys. Mais il n'y a pas de construction. Oh, qu'est-ce que je lui ai mis? C'est pour ça, le pauvre chasseur, il est bien, quand même. Hein. Il fait du sale. Oh, ça va, mon cœur. Je suis en pleine vidéo, ça va ou quoi? Attends, lui, il m'avait pioché tout à l'heure. Allez. Allez. Allez, je le loupe. Merci. Oh, il s'est trompé de touche. Non, mais ça va, Tilted Town. Franchement, moi, je kiffe. Hein. Un Fortnite où on peut pas construire. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, c'est sur le shoot, quoi, que ça se joue, quoi. Ça peut être bien, ça peut être cette idée. Après, je pense qu'ils vont pas le laisser comme ça parce que les gens, ils vont s'en plaindre. Je pense. Parce que, bah, voilà, Fortnite, c'est construction, quoi, tu vois. Si tu peux pas construire, c'est pas Fortnite. Tu vois, sur Call of. Ça peut être quand même bien, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ah ouais, je voulais construire, je peux pas. Oh là là, ce que je lui ai mis. Putain. Pourquoi je joue pas plus souvent, moi? Ah, mais lui, il a une mitraillette, donc normal. Ok, donc à première vue, moi j'aime bien aimer parce que j'ai fait 3 kills, donc voilà. Mais après, on peut pas construire, donc c'est un petit peu plus délicat. Alors on va aller visiter ça en partie personnalisée, enfin en partie privée, voir à peu près les bâtiments qu'ils ont mis, etc. Alors faut savoir qu'aujourd'hui on est mardi et je pense que Tilted Town est apparu vers plus ou moins 14h. Donc ça voudrait dire que tous les mardis 14h il y aurait une ville qui change ou un truc qui arrive. T'as franchement c'est quand même stylé. C'est comme dans le trailer, à un moment on voit que le personnage il rentre dans une zone. Et boum, il y a une petite transition comme ça. Ah ouais, mais ouais. Attends un peu. Ça change mon accoutrement. Ça change mon accoutrement. Ah ouais, c'est trop stylé ça. Mais en Far West. Ah ouais, carrément. C'est vrai, c'est vraiment pas mal. On le voyait ça dans le trailer. Il y avait un personnage qui rentrait dans une zone. Et ça le transformait en cowboy. Donc là, il y a une mine. Ok, il y a des mines. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le petit bâtiment là. Il y est toujours. En fait, c'est toujours la même structure, hein. Enfin, c'est toujours là. Il y a le pont. Par contre, là, on peut pas remonter, ok. Là, il y a toujours le bâtiment. Est-ce qu'on peut toujours aller dans le sous-sol de ce bâtiment-là? Ça, je pense pas, ainsi. Non, je pense. Ah ouais, ben non. On peut pas détruire. Comme on peut pas détruire. Ah, mais si, on peut y aller quand même. Ouais, donc si on peut pas détruire, faut trouver carrément comment passer. Quoi? Pourquoi je peux pas fouiller? Je peux pas fouiller le coffre. C'est chelou, ça. Pourquoi je peux pas fouiller les coffres? Ça, je comprends pas. Je crois que ça doit être un bug parce que je suis en partie privée, en terrain de jeu. Donc, je pense que c'est un bug. Ah, c'est stylé les petites marches là, comme ça, regardez. Boum, boum, boum. Ah, franchement, c'est assez cool. Enfin, des petits obstacles. Il y a moins de bâtiments. Il y a beaucoup moins de bâtiments, mais c'est bien. Ça pour, comme ça, on va pouvoir plus se fight, je pense. Donc là, il y a un coffre et j'ai vraiment envie d'aller voir si... est-ce que je peux monter par là comme ça? Non, je peux pas. J'ai quand même envie de voir si je peux aller ouvrir un coffre normal là ou c'est comment. À mon avis, c'est un peu buggé parce qu'ils viennent de la mettre. Je peux pas fouiller les coffres? Non, mais ça, c'est parce que je suis en partie... Non, je crois que c'est buggé. Hein. Je crois que c'est buggé. Je suis en partie personnalisé, c'est pour ça. C'est obligé. Donc là, ouais, encore les deux. Ça, tu vois, ça, il y a une ressemblance à les deux bâtiments. Enfin, c'est pas sur 3 étages, c'est sur 2 étages. Enfin, même pas, c'est sur 1 étage, voire 2 max, quoi.
Alors, le grand bâtiment de Tilted, ben, c'est celui-là. C'est celui-là maintenant. Ouais, je crois bien. Hein. C'est ce gros bâtiment-là, c'est un saloon. Hôtel. Ah, c'est le. Ça, le... Ah, ben voilà, c'est l'hôtel en fait. C'est l'hôtel de Tilted. Ok, je peux toujours pas fouiller les coffres. Ok. Mais je peux rien casser, hein. Regardez, c'est ouf quand même. Ça, par contre, je sais pas pourquoi. Il y a des petites étoiles comme ça. À mon avis, ça va disparaître. Ou il va y avoir quelque chose qui va se passer avec ça. Alors quoi? Je ne sais pas exactement. Alors ça c'est l'horloge qui normalement se trouvait là-bas. Enfin, elle se trouve ici. Attends, je peux fouiller des caisses de boîte de mine? Ah non, je peux pas. Ah donc c'est vraiment un problème dans. Ah, il y a deux horloges. C'est vraiment un problème dans partie personnalisée, hein. Dans terrain de jeu, je pense, hein. L'horloge, quand j'avais spawn, elle bouge. Hein. Là, elle bouge pas, donc ouais, je crois que c'est un problème d'ici. Il n'y a pas d'apesanteur, hein. C'est chaud, je meurs. Hein. Ah non, ah bah oui, c'est normal, champ. Quoi? Je meurs pas. Comment c'est possible ça aussi? Attends. Et je peux construire. Ah bah non, je peux même pas mettre de. Ah, je peux vraiment rien faire en fait. Hein. Je peux pas mettre de pied, je peux pas mettre de trampoline. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Est-ce que je peux fouiller ça? Ah, ça, je peux fouiller. Ah, ça, c'est déjà une bonne chose quand même. Hein. Quoi, il y a des boules? Ah non, mais c'est parce que je suis en train de jouer, je crois. Ouais, ça doit être ça. Je vais retourner un coup vite fait. En terrain normal. Enfin, en partie normale. Donc, voici un peu la nouvelle ville de Tilted Town. La ville des cowboys, en fait, c'est ça, hein, la ville du Far West. Là, il y a une petite forêt. Ouais, ça peut le faire. Vas-y, je vais vite retourner en terrain normal. Donc, au final, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ouais, il y a 8, 9 bâtiments, quoi. 8, 9, grand max, peut-être 10, mais un grand max, quand même. Ah, ouais, il y en a 10 parce que j'avais pas calculé celle-là. Ouais, il y en a 10. Il y a 10 bâtiments. Alors, je viens de trouver un truc qui est quand même assez bidon. C'est que le haut de cette colline, elle n'est pas dans la sphère. Donc là, en haut de la colline, le type, il va construire et il va nous casser les couilles. Ça, c'est obligé, gros. Il va prendre un snipe, il va construire et il va nous casser les couilles. À tous les coups. Ah, mais ça doit détruire les bâtiments. Ah, non, ça détruit pas. Donc, ouais, il n'y a rien qui est destructible. Oh! Monsieur, là. Ok, on peut bien fouiller les coffres. Là, il est obligé de descendre par là. Il n'y a pas d'autre accès. Donc ça, c'est cool. Putain, il a failli me tuer, mon gars. Mais j'hallucine. Donc on va aller voir un autre truc, voir s'il y avait des boules. Parce que moi, j'en avais, mais je pense que c'était qu'en terrain de jeu. Hein, sinon, je pense qu'ils les ont enlevés définitivement. Laisse-moi passer. Ah, on peut ouvrir son planeur, c'est déjà une bonne chose. Dans tous les cas, ici, il y avait une boule. Et là, il n'y en a pas. Donc, à mon avis, il n'y a vraiment pas de boule. Boum! Boum! Putain, mais du temps quand même, hein. On peut pas spam avec ce pompe. Hein. Ah ouais, j'essaye de construire encore une fois, ça marche pas. Et là, il a réussi à me tuer. Bon bah voilà, je pense que Tilted Town, c'est une bonne idée dans le concept. Hein. Je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue un petit peu, tester, voir un peu si les gens ils aiment bien et tout ça. Je pense que le système où on peut pas le construire, je crois qu'ils vont l'enlever parce que la communauté va peut-être s'en plaindre. Sinon, bah voilà, c'est bien de tester des nouvelles choses. Franchement, Fortnite n'a pas peur de tester des nouvelles choses. Donc ça, c'est cool. Sinon, le système où on peut pas construire, moi personnellement, ça me dérange pas trop. Parce que bah, c'est bien, parce que comme ça, tu vas dans Tilted Town et tu joues vraiment plus à la Call of où tu sais que tu te balades pas n'importe où en plein milieu de la ville parce que bah, tu vas te faire défoncer. Ça me fait penser un peu à Red Dead Redemption. Donc voilà, franchement, c'est plutôt pas mal, mais je pense pas que ça va rester. Je pense pas que ça va plaire à la communauté. Donc je pense qu'ils vont l'enlever, qu'ils vont sûrement enlever le système où on ne peut pas construire. Question bâtiment, il n'y en a pas énormément. Donc voilà, les fights, s'il y a de la construction, si on pourrait construire, les fights pourraient bien se passer. Parce que comparé à Neo Tilted, c'était le bordel. Il y avait beaucoup trop de bâtiments passés de loot. Là, je pense que le loot, ça va être un petit peu restreint. Enfin, quoique, j'ai vu pas mal de pompes et tout ça, donc ça devrait peut-être être cool. Mais voilà, franchement, ça a testé et ça va voir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Et je me demande si elle va rester pendant toute la saison. Je pense bien, je pense que ça va être le nouveau Tilted qu'on va se taper pendant au moins une saison, voire deux. Et il y aura peut-être quelques changements comme la
la calèche qui avait des petites étoiles autour d'elle. C'est possible, je sais pas du tout. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir de savoir votre avis. Et voilà, bah, sur ce, j'espère que cette vidéo bah, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas le petit code créateur soitcoolmecYTV dans la boutique de Fortnite. Et voilà quoi, merci à tous ceux qui me soutiennent. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était soitcoolmec et ciao. Peace.